Ouais, bah moi aussi. Ah, Mathieu, c'est bon quand on voit son micro. Il y avait surtout à Vincennes, au lieu de raconter des conneries, des fois t'es passé dans le bêtisier, c'est bien beau, mais quand tu le vois à Vincennes, tu parles dans la sucette, en général c'est que t'as gagné une belle course. Ouais. Bon bah justement Mathieu, c'est gagné celle-là. C'est le prix d'été que j'ai gagné. Ah non, c'était pour courir. Eh bien, c'est Jean-Michel Bazir et le numéro 9, The Green, qui devance le favori Ravenna, le numéro 5. À l'arrivée de ces courses, eh bien aujourd'hui, c'est une deuxième place pour Ravenna. Oui, bah, ça a dû être un bon cheval. Après, il... vous savez ce que c'est, soit les petits loups, les grands loups, il faut avoir de la chance. On n'a pas eu trop de chance, on a peut-être mal travaillé aussi. Voilà, les photographies, on peut les applaudir s'il vous plaît. L'équipe lauréate aujourd'hui. Pour finir, est-ce qu'on peut parler des allures? Il était un petit peu limite et bah, il avait tellement donné auparavant. Non, je viens d'aller voir la vue avec les commissaires de l'intérieur. Il n'y a ni de raison de faire enquête, ni de problème d'allure. C'est vrai qu'il y a un léger décalage, mais il n'y a pas à être disqualifié, pas du tout. On n'a pas beaucoup de comme ça, malheureusement. Est-ce que c'est un futur gagnant de Prix d'Amérique? Oh, attendez, on va voir. Oui. Là, il va se reposer. Oui, on va gagner le Prix d'Amérique. Ça va y faire du bien. Bon, bah alors, on va gagner le Prix d'Amérique. Donc, très bien. Allez, papa, on va gagner le Prix d'Amérique avec ça. Super. On va préparer le meeting maintenant. Et puis le Cornulier, je pense que dans le Cornulier, je ne vois pas qui peut l'abattre, ça reste comme ça. Mathieu, c'est une belle deuxième place. Putain, encore, c'est bon. C'est juste, il t'a niqué, maintenant c'est toi qui l'as niqué. Match nul, match nul. Sur une échelle de 1 à 10, le degré de kiff, c'est combien avec lui? Ah, c'est plaisant, c'est très très plaisant. Surtout en training droite, quand j'ai baissé les œillères, il allait très très vite. Donc c'est un cheval, faut éviter de l'amener ici. Alors que la suite du programme, ça passe par quoi? Les UET Master, vous y pensez ou pas? Non, pas du tout. Il relève, mais il va faire le coude. Ouais. Par contre, c'était moi qui ai mis les genoux, tu vois. Ouais, mais c'est des petits genoux, quoi, des petits genoux. Sébastien, le tandem Garato-Raffin, une nouvelle fois frappé. Ouais, bah, on a les chevaux pour gagner des belles courses. On a 4, 5, 6 chevaux vraiment pour gagner les groupes. Donc ça se passe bien, c'est super. Je me livre de ça. Mathieu, j'ai un joli plan. L'homme qui regarde et la femme qui travaille. Ouais, exact. Ouais, non. Sur la main. Tout. Et il était chez Jean-Étienne jusqu'à présent, mais Jean-Étienne m'avait dit tu peux aller au qualif, tu vas le qualifier. Bon, il s'est pas trompé, nouvelle fois. Non, bah non, heureusement. La suite. La forme. Ouais. À toute heure, putain. Quel joli petit nom, Chatouche. C'est pas moi qui l'ai nommé. C'est pourtant étonnant. Ouais, ça c'est malvenu de votre part, Yann. Au milieu de la piste, mais qu'est-ce qui branle, Louis, putain? Crocodile Dandy. Là, on t'a vu prendre toutes tes aises dans les tournants. Non, mais ouais, le cheval il pousse un petit peu à droite. C'est sûrement un petit peu de croissance, donc c'est pour ça qu'il a poussé un petit peu en dehors. Au final. Donc, faut pas me charrier, je suis à Youn. Bah. Je fais pas exprès de prendre le tournant à 3 alors qu'il y a personne en dedans.
C'est pour bluffer un petit peu l'adversité. Bah ouais, c'est pour. J'ai peut-être un gros client sur l'affaire. Alors j'ai fait, comme j'ai fait tout le parcours à 3 et que j'y passe 20, donc si je fais bien la corde, je passe peut-être 18. Bon, alors si j'ai bien compris tes propos, c'est un cheval qui va rester tranquille cet hiver. Ouais, ouais, vous avez bien compris, bien tout compris, Yann. Tu peux me tutoyer. Je peux te tutoyer. Je sais pas si on se connaît assez, c'est un cheval un petit peu introverti comme ça. Et ouais, non, mais c'est un poulain sympa. Le crocodile, ça passe l'hiver au chaud. Prochain gagnant, Louis Baudron. Oh là là, je sais plus. Moi. J'ai tout vendu, j'ai plus tout à courir. Même des galopeurs, on prend. Ouais. Ah oui, Reine des Abeilles. À Compiègne, je sais plus. Enfin, Reine des Abeilles, la prochaine fois. Compiègne. Voilà, je vais mettre un petit 1 parce que le résultat de l'enquête. Merci. Faites-moi un gros 1 maintenant. Un gros 1. Un gros. Avec quel doigt ? C'est bien ce Je suis le 2 de nez au vent, le gagnant a le parcours sur mesure. On n'a pas de hier, on n'a pas de débouche, rendez-vous au critère de 3 ans. Ou pas pour Franck, hein, quand même. Il y a qui maintient le truc qu'on avait là. Premier groupe. Oh non, mais là. Bon, bien. Okay. Pariteur, t'as pas envie de non. On peut y aller, Franck. Ouais. Sinon, oui, ça peut mettre dans le vestiaire. Sinon, on peut le mettre dans le vestiaire, sinon, ça va vous éviter le. Mais non, mais il peut maintenant, il a ça à faire. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Les autres fois, il était battu par les mêmes et aujourd'hui, il les a battus. Qu'est-ce qui a fait la différence? Bah déjà, je... Bravo. Merci. Merci. Et est-ce que j'en déduis qu'il faut savoir perdre des groupes 2 pour gagner un groupe 1? Dernière fois, on n'était pas obligé de faire ça. Vaut mieux être troisième en venant de derrière calme que quatrième en se rendant comme l'autre jour. Quoi, hein. Donc l'autre jour, j'ai dit je pense qu'on peut regagner, mais il faut fignoler, sinon je suis capable de le faire, moi. Hein. Si c'est pour pas fignoler, je peux le faire. Merci. Seb, est-ce que t'es sur un nuage? Oh bah ouais, c'est super, c'est magnifique. Alors Michel Gallier, qu'on félicite également. Yann, comme on te l'avait dit il y a 15 jours, on l'a. Salut. Alors la petite histoire dit, Sébastien, que t'appelais régulièrement David pour le chauffer, pour lui dire que le cheval était bien pour le Normandie, vrai ou faux? Moi, j'ai envoyé quelques petits textos après chaque travail, quoi. Est-ce que c'est un cheval de cornier? Bah, c'est un atoulière, en tout cas. Ouais, tu confirmes? Je monte pas, moi. Welcome to Sierra Leone. I love you. Bonjour, la France. And now it's Trotting Masters final at A2 Turf. Il y a Ulan Duval, les gars, Ulan Duval. Il a pas pris un petit peu de poids, Cédric Mugissier?
But it's something particular because for 2-3 years before you was a little bit not so much success in Sweden. Life is up and down. Yeah, but it's good. Ouais, monsieur Chartier, c'est bon? Oh, bah il va pas vous manger, hein! Trop bien! Selfie? Are you satisfied? No. I want to win the race.